Hello tout le monde, c'est le Tapeur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur PCM 2015 pour la suite des aventures de la Power Team Loire Atlantique avec en compagnie de mon sparring partner Alexus du 44. Salut tout le monde. Et aujourd'hui, c'est le terrible circuit de Wallonie entre Fleurus et Lambussart, cette fois. C'est moi le leader. Voilà, Axel Alexus, gros gros leader, gros favori. Pourquoi c'est écrit Maxime Tapper en leader? N'importe où quoi. si, c'est ce que j'ai cru voir. Mais non. Attends. Mais il n'y a rien écrit. Non, non, mais va. C'est où que j'ai vu ça? C'est parce que j'ai trié par moyenne en fait. Non. Ouais, bon, en tout cas, comme vous voyez, le tapeur arrive à un total de 70 en endurance et 70 en montagne. Du coup, on va le changer d'entraînement, on va le mettre en course par étape. Ah, sur les équipes là. Ouh la vache, ouh le. L'évolution, l'explosion du potentiel là. Oui, attends 2 secondes, j'arrive. Tac, course par étape. Comme ça, il va. Ouais. Tac. On voit que Rochefort arrive à 69 en vallon. Mais n'oublions pas qu'il a plus 1 avec le stage. Donc ça lui fait en vrai 68. D'ailleurs, tout le monde a plus 1 en vallon avec le stage. Donc voilà. Alexus, toujours à 69 en sprint, 68 en accélération. Et il va progresser le gamin. Eh oui, mais oui. D'ici peu de temps, on voit que ses copains commencent à avoir des bonnes stats là. Oui, du Les coup, têtes qu'est-ce que. de mort. De quoi? Les têtes de mort. Oui, du coup, qu'est-ce que tu disais? Regarde le. Putain, ça va trop vite pour moi. Ah, ici. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est ça, c'est parce que c'est trié par moyenne en fait. Oui. Et vu que j'ai la meilleure moyenne, voilà quoi. Je crois pas, non, c'est pas du tout ça. Bah si, regarde, j'ai la meilleure moyenne. 69. Mais c'est les leaders, c'est tout. Ouais, d'accord. Bon, du coup, on se retrouve tout de suite au départ de la course pour d'ailleurs la course en intégralité. Allez, à tout de suite. Re tout le monde, on se retrouve donc au départ de ce circuit de Wallonie à Fleurus, donc en compagnie d'Alexus et aussi de Rochefort qui nous a rejoint. Bonjour. J'ai été contraint de force, hein, bien évidemment. Oh là là, merde là. Va faire tes devoirs. Bon, la stratégie adoptée, ça va être. Ça va Ouais, être. clairement. Ça paraît un peu audacieux comme tactique. Ouais. Ouais. Ouais, je voulais prendre l'échappée, mais je sais pas avec qui. Avec Rochefort. machin. Avec Rochefort. Ouais, avec ce machin. Ce beau gosse. C'est quoi? Hein? Aïe! Pardon, je joue pas au même jeu. Ça, tu sens encore tes genoux? Les filles, elles gonflent pas trop. Attends. Une échappée est en train de se créer. T'as vu Rochefort, il t'a peur, il a 70 en montagne et 70 en endurance. Je sais pas comment il a fait d'ailleurs pour monter de plus 5 en endurance quoi. Tu le dis si ça va pas. Les chevilles. Dans les genoux aussi. Une attaque vient d'être lancée. Certaines qu'il est con. Le peloton en main. Il ne doit pas savoir le coéquipier placé dans l'échappée. Non, rien. L'échappée vient d'abdiquer. Le peloton. Putain, ils veulent pas laisser partir Rochefort. Au premier secteur pavé. Long de 300 mètres, et bah dis donc. Bon, je crois que je vais aller chier puis je vais revenir. Alors voilà, les mecs s'en branlent totalement de la vidéo. C'est pas grave. C'est gratuit, bah écoute, profite bien surtout. Parce que sinon je vais me battre là-dessus. Et puis fais ça bien, hein. Applique-toi. Ouais. Parce que sinon je vais faire caca dessus. Donc, bon, je reviens. Ouais, voilà, fais ça. Bon, sinon, Rochefort. Rochefort. Rochefort, bah d'accord. Bah ils sont partis, putain. Quelle bande de branlouille. Moi j'appelle ça des branle-couilles. Sur les pavés, il existe. Alors en tout cas on est en Belgique donc il y a Fleurus entre Fleurus et Lambussart, voilà. On va voir qui est présent quand même. Quand même Marco Marcato, hein, Edouard Tuns, Claes de moitié, oui Antoine de moitié aussi. Les plus dangereux je pense que ça va être Marco Marcato et Edouard Tuns, hein.
à mon avis. Par contre, il y a un truc qui est dommage. C'est que les derniers secteurs pavés se retrouvent quand même très loin de l'arrivée. Donc, c'est dommage qu'on n'a pas fait un passage de plus. Ça aurait été pas mal, bref. Allez, Flaubert qui va tenter de partir. Et vu que Rochefort a pas réussi. Là, l'objectif, c'est clairement le viser un top 20, hein, parce que je pense pas que mieux on pourra. C'est vrai que Rochefort, quand même, c'est un... Ouais, Rochefort pourra, je pense, très bien passer à la bosse, ouais. J'aurais peut-être pas dû lui faire le con au début de course, mais bon. Normalement, il aura récupéré ses efforts, hein. J'espère bien. J'espère qu'ils vont revenir quand même parce que je me sens seul du coup. Allez, on emprunte un autre secteur pavé là. On va voir un peu à quoi ça ressemble au niveau de la carte. 3 secteurs pavés, donc celui-là de long de 9 kills, de 900 mètres, celui-là de 200 mètres et celui-là de 300 mètres. D'accord. Erreur tout le monde. Erreur, Alexus est revenu. Bon, tant mieux, je suis moins seul. C'était bien ? Oui, très bien. Ok. Par contre, règle un peu mieux ton micro parce que du coup, on t'entend pas beaucoup. Attends, faut laisser ton Instagram. Là par exemple, j'ai pas compris grand chose. C'est pas grave. Là c'est mieux. Voilà. Bon, on voit que là, cette course est palpitante. Hein. Clairement. Alors en tête, il y a qui ? Il y a Flaubert, Warnier. Seulement 125. Course assez courte, hein, 165 km. C'est 1.2, donc c'est normal, c'est pour les équipes continentales. Du coup, il y a qui devant ? Il y a Vermouth, il y a Flaubert, il y a Warnier et il y a Minguer. Voilà, échappé sans grand intérêt, je pense. Si ce n'est pour montrer le maillot, hein, Powerhead, le bar Atlantique, Giant, Shimano, Spiuk, UCI Cotal. Continental représente. Et Arthur, il est parti. Oui, il m'a dit, il crache internet. Arthur Rochefort, Rochefort tout court, voilà. Ah, il c'est un casse garçon. On peut faire rien pour lui. Clairement. Alexus a quand même 60 en vallon maintenant, il est bien progressé. Hein. C'est pas beaucoup. Non, bah avant, je crois que ça avait 58 en vallon. Je sais pas. Si, je crois. En tout cas, l'équipe est bien regroupée à l'arrière, c'est bien, allez. Plus que 100 km. 97 maintenant. Ah, c'est dommage, cette course avait l'air palpitante, puis finalement, bah c'est comme dans toutes les courses que c'est un peu, voilà. C'est pas que c'est ennuyant, mais bon. Ouais, voilà quoi. Bon, là par contre, le circuit final, il s'annonce bien dur. Parce qu'on passe 3 fois la bosse. Ouais. Ah, alors. Derrière, ça commence à s'activer un peu. On voit qu'il tapera peut-être un plus 5. C'est très bon, ça, c'est très très bon. Tu
Tu vois, je t'avais dit que c'était leader, qu'est-ce que tu fais moi. C'est clair, c'est clair. Sauf qu'avec le stage, ça fait 68 en vallon, plus 5, 73 en vallon. Ça pourrait être très très bon, ça. Rochefort moins 1, bon bah ça fait 68 en vallon. Je crois que c'est moins bon, ça. Chute, chute de... Grosse chute de Wellesley Gout, notamment. Ouais, bon, on les connaît pas, donc... on ne les connaît pas. Mais c'est bien dommage. L'échappée compte toujours 3 minutes 30 d'avance à 65 km de l'arrivée. Et abandon de Jeroen Koeleven. Allô. Oui. Tu peux, comme d'hab, monter ton micro. J'ai rien touché là. Bah là, tu vois, là c'est bien, là j'entends. Ok. Faut que tu parles comme ça tout le temps. Ok. Non, parce que sinon après c'est pour les abonnés quoi, ils vont pas t'entendre, ta douce voix. Ok. Non mais ils mettent le son plus fort. Bah non, parce que sinon quand Rochefort il vient, lui, ça fait que ça va être fort par rapport à toi du coup. Vu qu'il a un micro un peu pourri. Non mais c'est la fatigue en ce moment. Du coup j'ai... On sent la fatigue dans ma voix. C'est ça. Oui, oui. Bon écoutez, je sais pas trop qu'est-ce que... Chute de Christian Juel, le Danois de l'équipe Budget Forkins, l'équipe australienne il me semble. Aïe, il se relève. Oui. Ah, il est reparti. Et il a entraîné Van Diemen, le coureur de la PVC, je sais pas ce que c'est. C'est quoi cette équipe? C'est Partokel Valkenburg. C'est même le leader de l'équipe Partokel Valkenburg, le sprinter. C'est qui le leader chez nous? Nous, c'est. Je sais pas. On en a pas vraiment. J'aurais dit Guano, mais. Voilà. Après, on voilà, en a. Donc, tu m'as menti. Bah disons que t'as moins 2 et t'as plus d'énergie. T'as pas bien récupéré du tour du quai de jour de Dunkerque. Disons que tu m'as menti. Non parce que c'est regarde. Bon, c'est bon. Si on dit pas la vérité à son coureur. Il va s'en aller ailleurs. Je pense bien oui. Je crois que Breton Séché est intéressé par toi. Je pars. Mais malheureusement, ton contrat est signé jusqu'en 2016. Voire 2017. Donc, bon. Lolo. T'inquiète pas, un jour tu gagneras Paris-Roubaix. Mais la rupture de contrat, ça existe. Mais pas dans PCM. Désolé. Ah, mettre un petit coup la vue d'hélicoptère, tiens, ça fait plaisir. Magnifique. Ah, clairement, là, oui. Magnifique. Alors, un peu qui est lâché derrière. Un groupe de 6 avec... Ah bah c'est ceux qui sont tombés l'autre fois, ils sont toujours pas revenus. Avec Desmesh, Casier, Shormans, Gou. Et puis après les deux autres qui sont retombés après, Van Diemen et Quell. Merde, j'avais pas vu Flaubert bon, et... Côté de... Comment? Tout se passe bien devant. Tout se passe bien, oui. Pas d'attaque. 44 km, 2 minutes 20. Ouais, mon image est bloquée. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. C'est ça la connexion pakistanais du côté de Monsieur le Tapeur. J'ai une trop bonne connexion, mec. La fibre. J'ai à un côté, appel. J'ai un appel. Ok, bah écoute. Réponds. Non, réponds pas. Alors. On va essayer de faire quelque chose avec ce web. Pff, non mais ils sont trop courts, ce secteur pavé, c'est nul. C'est nul. Ils servent à rien en fait, je vois pas pourquoi on y passe. Encore il y en aurait eu un dans le circuit final, bon voilà. Même de 200 mètres, bon, ça aurait été quand même bien, mais là... Là c'est nul. Plus 4 pour les tapeurs, c'est pas mal. Mais bon, 59 en plat, il peut être complètement cuit avant d'arriver sur le circuit final.
Rochefort moins 1, ça lui fait 60 emplois. Ouais, bon. Bon, ça va être la galère totale, hein. Le revoilà. Ah, c'est bien. Le revoilà. Je pense qu'il reste plus que Bueno pour nous sauver cette course, hein. Comme non, mais quel cassos ce Bueno. C'est le sauveur, tu veux dire. Moi, je change d'équipe. Jamais. Jamais je te laisserai partir. On voit mon rôle de leader. Tu seras leader bientôt, hein, t'inquiète pas. Oh non, mais ça va pas, ça va pas. Mais je sais qu'il y aura toujours meilleur que moi et du coup je serai jamais leader. Ah bah non, certainement pas. Et on voit un... Je ne peux pas exploiter mes capacités. Un sprinter, c'est très psychologique, il se pose beaucoup de questions au sujet de son avenir au sein de l'équipe, au sujet de son intégration également au sein de l'équipe. C'est ce qui m'arrive en ce moment. Ouais, c'est... Oh putain, hein. Pourcentage à 17%, j'ai vu, là on est à 14%. Ah, c'est un sacré mur hein, quand même. Hein. Bueno passe bien, Bueno passe bien, Rochefort passe pas bien, il tapeur passe très bien, bon, bah c'est trop mieux. Mais bon, il tapeur avec le plat, il est cuit déjà, donc c'est fini. Faut le faire attaquer dans une montée. Oui, mais bon, regarde, il y a 3 murs par tour, sinon c'est du plat. Bah écoute, qu'est-ce que je t'ai dit? Le problème c'est qu'Alexus, pour l'instant il tient, mais jusqu'à combien de temps? Longtemps. Après, il reste quand même la carte du gaufret, hein, 66 en vallon. Oh, pas lui. Mais non, faut jouer ma carte. Tiens, demande à Igo de me protéger. Non. Je vais lui demander moi-même. Bah, demande-lui. Bah, il va dire oui. Pour l'instant, l'échappé tient, 20 km, 1 minute 08. Flopper devant qui fait un long travail. Ah, très bien. Varnier s'est arrêté de relayer, bah, très bien. Bah, bravo, la belle entente, bravo. Moi, je crois qu'il est un peu cuit quand même, hein, mais bon. C'est pas une raison. Hein. Bravo. Ça roule en plus assez fort quand même. Il reste maintenant moins de 15 km. En tout cas, dans l'échappée, il fait mal. Minger là. C'est pire que Yamamoto. Quel con. Yamamoto, c'est mon leader en mode armada. On se souvient très bien de Yamamoto. Tout le monde s'en souvient de Yamamoto. Oh là là. Quel homme ! Ça attaque devant, malheureusement, Flaubert qui faiblit là. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Pour la sélection s'opère par l'arrière. Port. L'écart entre le peloton et l'échappée. Vos oreilles me diront merci. Pour ce moment de bonheur ultime. Et Alexus a réussi à passer. Ah bah tiens. Eh. Ça se bagarre à l'avant. Tiens. Dame. Je suis le meilleur, moi. Je suis une machine. Gros blanc. Merci. Oh, mais parce que je suis concentré en fait, du coup. Ah, ouais, pardon. Mais je vois ça. Oula. Oh, ah bah ça y est, Alexus mort. Mais non. Gaufret qui est parti. Ah non, bah il s'est rassis, d'accord. Allez Bueno, c'est parti maintenant, c'est le moment Bueno. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, il attaque? Oui. Il reste combien de kilomètres là? 3. Et tu pouvais pas attendre le sprint? Bah non, il y a eu Gaufret au sprint. Ah bah du coup maintenant il est mort. Sauf qu'il est devant. Il est devant. Qui ça? Bueno. Oui, mais il va se cuire.
Allez, Gaufret, lance pas trop tôt, faut attendre. Oh putain, il est cuit, il est cuit, il est cuit. Bon bah vas-y, go, lance alors. Bah, go faire sprinter tout le monde. Ah bah ouais, exact. Bah y'a plus personne, on est que deux. Bon bah, ils ont coincé. Et c'est la victoire de Van Zenbe. Ronan Van Zambik devant Edward Tuns, Yoeri Stalert, Tom Derny et Justin Jules. Ensuite, il y a quand même Marco Marcato 7, Daniel Nepolitano 8. Bon, il y a que des Belges et des Italiens. Il y a quand même un Français et un Hollandais. Ah oui. Deux Hollandais, oulala. Bon, mais combien t'aimais ton coureur, ton premier coureur, quoi ? Bueno a tenté dans le final et Gaufret était présent, mais malheureusement, pas assez puissant, pas assez fort pour espérer faire quelque chose. Du coup, ils doivent être 25 par là, 20. Puis tous les autres, ils étaient lâchés. Mais Alexus. Oui, heureux. Ah bah putain, Rochefort, ça y est, le v'là. Ouais, bah crash de co, mec. Jusqu'à la fin de la course. Et oui. T'as même pas pu assister à ta fabuleuse victoire. C'est vrai ? Non. Ah. Ah, tu es enculé. Il a espéré. Dis pas de gros mots devant les abonnés. Ouais. Fils de pute. Ah, j'ai. Non. Ouais. Bon, du coup, voilà, victoire de Ronan Van Zandbeek. Hein, tu le connais évidemment. De ouais, c'est un record là ? Non, j'ai longtemps fait des courses avec ce coureur là. Ah oui ? Qui Non, je vais pas finir en monitor. de l'équipe Cycling Team Joe Piels. Oui, bah avant on était Ah, les Vlas, ils sont à gauche là. Allez, Hugo Frey et Bueno. Moi On est encore en train de record. Hein. Ah, d'accord. Bizarrement, il n'y a pas Rochefort. Non, oui. Il était perdu, je crois. Allez, on va voir les podiums quand même. Non, mais il a fait une longue échappée. Hein. Non, oui, il a fait. Oui, il est parti 2 km au début de la course. Ouais. Il n'a jamais pu récupérer. Voilà, la victoire de Ronan Van Zenbeek. Et au classement par équipe, c'est la team Wanty Group Bobert et Power Loire Atlantique. 3e au classement par équipe. Félicitations. Grosse équipe. Grosse. Bravo, grosse team. Les débuts prometteurs, voilà. Les débuts, tu sais, on est en mars. Non, on est en avril. Ouais, ça fait deux mois, un mois qu'ils ont dans deux mois qu'ils ont commencé. Non, quatre mois. Ta gueule. Tu crois qu'on commence le 1er janvier ou quoi ? Oui. Ah ben non. What ? Dis-moi. Ok. 12e et 13e, Bueno et Hugo Frey. Ah bah c'est pas mal. Oh putain, les machines, bravo. Et derrière, il tapeur 35e. Allez, et moi je suis 41e. Putain, le roi 52e, Rochefort 55e. Flaubert 67e à 2 minutes 17. Ah oui, il faut aller. Voilà, bon bah c'est fini pour cette vidéo. Moi je dis, il y en a certains, faut les virer. Hein. Ta gueule. On va se retrouver. Il t'a peur là ? Quoi ? Faut le virer, je crois. Ah non, plutôt du genre Rochefort. On va virer personne, bordel de merde. Bon. Après, il y a Alexus. Moi, je propose de pas manger Alexus, hein, il est pas. Moi, je propose que tu t'achètes un micro. De toute façon, j'aime bien tout le monde dans l'équipe. Hein. Pire, je vais. Et sinon, j'ai boudé, hein. Tu te tais. Oui, mais achète un micro avant. Ouais. Et puis après, on retournera une autre vidéo si tu veux. Voilà. Bon, bah, on va se retrouver ultérieurement pour le Ronald Pézer Tour. Ah oui. Et ensuite, ça sera la ronde de Lizard U23. Et là, 4 étapes de montagne où il tapeur pourra, je pense, tout rafler. Ouh là là, il joue gros là. Ensuite, ça sera le Grand Prix de Plumelec et Paris-Roubaix Espoir. Et le Tour des Pays de Savoie où aussi il tapeur pourra tout rafler. Bref, on va commencer Je vois bien une victoire de Kevin Lozano, tu vois. Donc, sur quoi ? Sur Paris-Roubaix U23. Bah, ouais, bah oui. Mais non, parce que Bretagne Séché, ils sont pas sur les courses U23 en fait. Non, mais. Bon, allez. Moi, je veux dire. bye tout le monde et oubliez pas de vous abonner surtout, c'est gratuit. Hein. Bisous tout le monde. Bisous.
I'm in the home.